Des streamers qui parlent en boucle de la commu FromSoft alors que c'est juste leur commu de backseater habituel. En vrai, tu pourrais avoir raison. Sauf qu'en fait, vu que je suis un peu une merde, j'ai fait une liste de quasiment toutes les personnes qu'on a bannies ou qu'on a time out pour backseat. 95%, et je sors même pas la stat de mon cul, sont des followers depuis une minute. Donc en fait, des gens qui n'étaient pas habitués de ma chaîne. Donc c'est un mélange des deux, parce que tu vois, des fois t'as des anciens, mais vraiment. Après, on n'a pas banni énormément de gens, mais vraiment, j'étais en mode putain, c'est ouf qu'il y ait autant de nouveaux followers. J'ai regardé la liste avant de me coucher, je regardais. Mais non, non, aussi, c'est une commune. Il y a pas mal de gens qui sont backseaters, mais en vrai, c'est pas si grave. Hein. Juste, j'explique le fond de ma pensée, parce qu'en vrai, moi, je suis. En fait, c'est tellement un truc qui me tilt dans les autres jeux, les. Personne qui te dicte comment tu dois jouer. En fait, vu que je viens de Smash Bros, je trouve que c'est un truc qui fait énormément souffrir les nouveaux joueurs de Smash. Les gens qui sont en mode, bah en fait, tu ne peux pas jouer comme ça. Comme moi, je vanne en mode, tu peux pas jouer sans item. Mais en vrai, au fond de moi, je le pense pas, tu vois. On est juste très passionné. Bah en fait, non. En fait, c'est pas être passionné, c'est être condescendant. Pour moi, la passion, elle s'exprime avec le fait que t'es heureux de voir des gens qui découvrent ton art. En gros, enfin, je suis désolé, mais c'est vrai, je trouve. Je n'ai jamais vu. Mais genre jamais vu un joueur de dingue sur un jeu être condescendant avec un débutant. La plupart des gens que je vois un peu arrogants, que ce soit sur Smash et tout, ils sont trop gaze. Non mais il y a bien évidemment plein d'exemples de connards qui sont forts. Il y en a plein d'exemples. Je dis de mon expérience, j'ai vu beaucoup plus de gens pas forts être loups que l'inverse. Mais ouais, le terme passionné, c'est vraiment pas ça quoi. Pour moi, le vrai terme, c'est pas passionné, c'est... Regarde, je suis fort. Et toi, tu ne respectes pas mon jeu où je suis le GOAT.